Ok, bienvenue sur notre chaîne Esbiri Fight TV, la chaîne qui vous permet d'augmenter votre potentiel physique, technique et mental. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami et notre stage, j'espère que vous l'avez reconnu, Cédric Touche. Alors on est dans sa chambre d'hôtel, hein. Voilà, je vous laisse admirer la suite. On est en Chine et il a combattu hier contre Dimitri Valente. Je vous laisserai regarder le combat et vous verrez par vous-même le hold-up. Alors, il perd le premier round, il gagne le deuxième, il gagne le troisième. Il met un extra round parce que c'est Dimitri Valente et que c'était la star, le favori. Et à la suite de ça, ils l'ont mis perdant. Donc, bon, voilà, c'est le sport, c'est comme ça. En tout cas, il a deux défaites à son palmarès. Une contre Kishinko et maintenant contre Valente, même si c'est pas vraiment une défaite. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Touche, j'ai 27 ans, je mesure 1m90. J'ai 54 combats pour 52 victoires. Voilà. Voilà, et plusieurs titres de champion de France aussi, non ? Champion d'Europe WMC, champion du monde WBC et champion du monde Waco Pro. Retenez bien ce nom, je vous assure qu'il va, il va tout arracher. En tout cas, moi hier, je me suis régalé. J'ai vraiment découvert sa boxe et j'ai kiffé. Et je pense que vous allez kiffer aussi. Donc voilà. Alors aujourd'hui, Cédric Touche, il a une particularité. Il a une garde qui est super hermétique parce que Dimitri Valente, c'est quelqu'un qui conne. Et il a su vraiment avoir une garde hyper hermétique. Il gère bien sa distance. Et il va vous montrer aussi, donc on va voir comment avoir une garde hermétique. Comment avoir une bonne distance et comment pénétrer la garde de votre adversaire. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc pour ma garde, donc deux choses très importantes. Les coudes bien serrés, la tête bien rentrée, le menton collé et la tête derrière les gants. Voilà, toujours les gants un petit peu ouverts pour bien voir son adversaire. Et puis voilà, bien bloqué, bien fermé et toujours être bien hermétique. Voilà le secret de ma garde. Donc vous avez vu, les coudes ils sont bien rentrés, la tête rentrée, ce qui est important, et il va pas trop bouger, il va être bien stable. Et ce qu'il a oublié de préciser, c'est qu'il va avoir les jambes qui vont être fléchies, hein, fléchies les jambes, voilà, nickel. Au moment où il prend l'impact des coups pour être bien stable et bien sur ses appuis. Maintenant pour sa distance, comment tu arrives à te mettre à distance? Donc pour ma distance, je juge toujours par rapport à mon direct du bras avant, je reste toujours à distance de point, donc c'est-à-dire que je sors mon jab du bras avant sur le menton ou le nez de mon adversaire. Voilà comment j'arrive à garder la distance. Donc je sors le jab et ensuite je peux envoyer soit la droite derrière, soit ma jambe en middle ou en low kick ou le genou et en me rapprochant un petit peu. Voilà. Nickel. Et je vous laisse admirer aussi, on est en Chine, hein, c'est un pays qui est très très moderne. Je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais voilà, c'est que des grands buildings, tout est high-tech, tout est neuf, tout est propre. C'est un pays qui est magnifique. Des gens qui sont gentils aussi. Ah, il est grand, il est puissant, hein. Et là, il canalise, donc il me fait reculer. Donc là, il fait droite. Donc bien en garde, la tête bien dans les épaules. Là, on va chercher la puissance au sol. On pousse et on tend la droite. On revient, on pivote le crochet du gauche. On revient, sort le genou, on pose le coude et on monte le genou à la tête. Boum, 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 boum. Oui, encore une fois, une dernière fois. Voilà. Ok, eh bien, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. Il est très très puissant, donc ça va, il a été gentil avec moi, il m'a pas trop malmené. Donc si cette vidéo vous a plu, bah, comme d'habitude, vous likez, vous partagez sur Facebook et vous abonnez à notre chaîne YouTube, c'est gratuit, hein, donc allez-y, vous pouvez vous abonner. Et maintenant, bah, à vous de jouer, on vous dit à la prochaine. À bientôt.